Je m'appelle Carole Croze, je suis guide conférencière depuis un an environ. J'ai créé ma micro-entreprise qui s'appelle 3G Création. Je parle français, anglais et j'apprends le parler lyonnais et la LSF. Et en spécialité, je dirais que tout ce qui touche à la médecine, en fait, dès que ça parle d'histoire de la médecine, j'adore ça, puisque dans une ancienne vie, j'étais infirmière. Je dirais que la principale qualité d'un guide, c'est le partage. Hein, l'envie de partager ses connaissances, mais de partager des anecdotes, de partager des petits des lieux qu'on connaît mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Et aussi avoir envie de recevoir de son public, parce que notre public aussi partage avec nous. Et c'est ce qui fait la richesse du métier en fait, c'est que nous aussi on apprend de nos visiteurs et je trouve ça génial. Alors comme beaucoup, je pense, le guidage c'est une passion, l'histoire, le patrimoine, voilà, j'adore ça aussi. Mais ce qui est une passion par-dessus tout, c'est la généalogie. J'y passe des heures et des heures à chercher mes ancêtres et d'une certaine manière ça se rejoint je trouve parce qu'en fait on fait des recherches aussi pour faire nos visites guidées, on fait des recherches pour la généalogie et en fait on essaye de restituer une histoire, l'histoire d'un lieu ou d'un monument pour le guidage ou l'histoire d'une famille pour la généalogie. Donc ça se ressemble assez en fait. Alors, mon meilleur souvenir de visite, c'était donc en stage à l'Hôtel-Dieu de Belleville-sur-Saône. J'étais vraiment dans mon élément, j'étais super bien avec l'histoire de la médecine à longueur de journée. Et à la fin d'une visite, un médecin qui était un visiteur vient me voir et il me dit on sent que vous savez vraiment de quoi vous parlez, que vous êtes dans votre élément. Voilà, on sent que ça vous plaît ce que vous faites, quoi. Et du coup, c'est ça mon meilleur souvenir parce que on a ressenti mon envie de partager et le plaisir que je prenais et la passion que j'avais à le faire. Donc voilà, c'est mon meilleur souvenir. Alors, une spécialité gastronomique. En fait, ça serait la quenelle, comme on dit ici, parce que je suis un produit du terroir, je suis une vraie lyonnaise, et une gonne, en fait, comme on dit ici. Voilà. Alors, si je pouvais rencontrer un personnage historique, faut choisir déjà, parce qu'il y en a tellement que je voudrais voir. Mais bon, pour rester dans le local, on va dire Tony Garnier, aussi parce que grâce à Grenat, on a pu voir l'exposition, enfin même plusieurs expositions sur lui. Et ça m'a vraiment intéressée, et ce que j'aimerais bien lui dire, en fait, c'est... en fait, j'aimerais bien parler de l'hygiénisme avec lui et savoir comment il faisait pour récolter autant d'informations sur autant de sujets. Parce que ça me servirait bien dans le métier, en fait.